En 1939, Gaston Giron acquiert sa première voiture, une Peugeot de 1910. Et avec son fils, à partir des années 50, il construit une fabuleuse collection de véhicules anciens. Le musée automobile de Vendée. En route pour la visite, une collection unique de 160 véhicules sur 3300 m² d'exposition. Allez voir ce musée à Talmont-Saint-Hilaire, route des Sables d'Olonne. Il est superbe.